La saison des amours, c'est le titre de l'album. Assis par terre, c'est ce qu'on entend en ce moment et vous l'applaudirez à l'Élysée-Montmartre le 23 juin prochain. Un album dont on a un peu parlé déjà à travers différentes chansons que j'avais choisies un peu, non pas au hasard, Imagine de John Lennon, hein, parler le spleen de Janice. Une chanson qui s'appelle Le jour de paye. Alors, Le jour de paye, c'est une spéciale dédicace aux hommes un peu... Branleurs. Dire quoi, aux hommes un peu... Branleurs. C'est-à-dire? Bah parce qu'en fait, dans ma courte expérience, j'ai envie de dire, j'ai pas rencontré des hommes vraiment volontaires, responsables, des hommes à l'image de mon père. Ça viendra pas, je peux te dénoncer. Sympa. Non, des hommes effectivement qui ressemblaient pas trop à mon père. J'ai une image de mon père vaillant et quelqu'un qui a aussi éduqué 4 enfants, dont 3 filles. Et j'ai des aventures qui parlent pas de ça. Pas bon, du tout. C'est un hommage aux femmes qui se battent. Plutôt, en fait. Voilà. Voilà. Une des chansons de l'album, album dont on a dit qu'il existe grâce à Pascal Obispo. C'est vraiment vrai, sans lui, cet album n'aurait pas existé. Sans lui, déjà, il y aurait eu peut-être des gens peut-être un peu plus frileux à sortir une fille de l'image des L5 que j'avais autrefois et à dire oui, j'ai envie de t'aider. Alors, les L5, tout le monde s'en souvient. Ça vous dérange pas qu'on en reparle pas un du peu tout. Alexandra, Marjorie, Coralie. Et Claire. Claire. Et Lydie. Vous étiez Lydie. Lydie. Et non pas Louisie. Non, c'est mon prénom, Lydie, et mon nom de famille, c'est Louisie Joseph. Ah, donc vous avez... Ah ça, Louisie, c'est pas votre prénom, alors? C'est mon nom de famille. C'est votre nom de famille. Pourquoi vous n'avez pas mis plutôt... Lydie, Louisie, Joseph? Ils n'ont pas voulu, c'est trop cher sur l'album de mettre les trois. Non, ça me fait bizarre de regarder les photos de mes copines. Ça va faire plus bizarre encore de vous regarder chanter. Je me rappelle de lui. Pourquoi vous vous rappelez de lui? Il fait partie des types qui ne bossaient pas? Non. Non, je me rappelle de ce moment. C'est un bon moment, manifestement. 1,6 million d'albums vendus, ou de singles d'abord pour commencer, avec toutes les femmes pour de ta vie. Pour ce single en question. Voilà, alors, après 1,2 million d'exemplaires du premier album, non, c'est des chiffres faramineux, impressionnant quand on démarre évidemment dans ce métier avec ça. J'imagine qu'on s'en relève difficilement ensuite. Des chiffres qui ne nous marquent pas tant que ça, parce qu'au départ avec les filles, on avait tendance à pas comprendre en fait le côté d'avoir déjà effectivement un public alors qu'on ne nous connaissait à peine. Les chansons étaient déjà faites avant qu'on arrive. On correspondait à quelque chose de visuel au départ, sauf qu'effectivement on est tombé sur des chanteuses avec des ambitions qui ont voulu emmener le groupe au plus loin possible. Et financièrement alors, on gagne beaucoup d'argent ou pas? Moi j'étais serveuse et honnêtement le but de mon parcours était uniquement d'être là où je suis aujourd'hui. C'est de nous faire connaître. Oui, et puis c'est relatif de parler d'argent. Forcément, on en gagne. Et c'est forcément plus important. Non, mais je vous pose la question parce que manifestement, à la fin des L5. 7 ans après. Voilà, faut vous le avez... dire, parce qu'il y a une vraie évolution et du groupe, et effectivement, du contrat à ce moment-là. Parce qu'après avoir vendu autant d'albums, on renouvelle des contrats, on fait des avenants. Et effectivement, il y a aussi un deuxième popstar qui arrive. Faut pas oublier non plus que c'est devenu une émission qui a quelque chose du coup. C'est M. Pokora d'ailleurs qui en sort du deuxième. Le deuxième, non, c'était les Watford. Qui ça? Les Watford. Les Watford. J'avais oublié ça. Je vous vois venir. Si je vous posais la question financière et sur l'aspect contractuel des choses, c'est que manifestement, avant que cet album ne sorte, il y a eu quand même une bonne période de vache maigre, où vous avez ramé, ou peut-être même vous êtes posé la question de savoir si vous continueriez ou pas ce métier. Non, ça c'est la seule question que je ne me suis pas posée. C'était de savoir effectivement si j'allais continuer ou pas. C'était même pas une question à me poser. Mais quand je lis que vous avez revendu vos meubles ou que vous n'avez pas d'argent, ça veut dire quand même que vous n'aviez pas gagné assez d'argent à l'époque pour pouvoir vivre pendant 7 ans avec ça. Alors non. Ah,
ça veut pas dire ça. Ça veut dire qu'on a un train de vie, effectivement, qui est... Moi, j'imaginais pas... Parce que ces meubles, c'était moche, c'était tout. Moi, j'imaginais pas, par exemple, qu'effectivement, à force de faire des allers-retours en taxi, il fallait peut-être un peu économiser. J'imaginais toujours qu'effectivement, l'argent, ça allait être quelque chose de renouvelable. Et en même temps, ça ne me manquait pas. Du moment où, pour moi, j'avais un toit et de quoi manger, je ne me suis jamais souciée de l'argent. Après, effectivement, pendant cette période de vache maigre, on fait des galets alimentaires avec les filles, on fait... c'est différent de tous les zéniths. Vous dites d'ailleurs, c'est Lio qui a inventé l'expression des GDM, des galas de merde. Non. Mais par contre, je suis au courant. Ah oui, vous n'avez jamais fait de gala de merde. Non, j'appelle pas ça comme ça. Et puis le public, à ce moment-là, est aussi un public à sacraliser. Autant que les autres. Il faut respecter tous les publics. Exactement. Ah, bravo, alors ça, bien sûr. Oui. Sans eux, on n'est rien quand même. Hein. Juste voilà. Savoir. Donc il n'y a pas de gala de merde, il y a un gala. Il y a de la merde éventuellement, mais il n'y a jamais de gala de merde. Alors moi, je dis gala alimentaire parce qu'effectivement, c'était ce qu'on comptait avec les filles. On comptait le nombre de galas qu'on allait faire et le nombre d'argent que ça allait nous rapporter parce que dans le mois, ça se faisait de moins en moins fréquemment. Et puis effectivement, il fallait continuer à vivre et imaginer les projets futurs. Alors, en tout cas, le nouvel album que j'ai là entre les mains est bien différent, ça c'est sûr, de ce qu'on a pu entendre à l'époque DL5. Ça, c'est votre musique, ça vous correspond, c'est votre parce choix. Parce que je suis seule et parce qu'effectivement, les 7 ans avec les L5 m'ont permis de savoir ce que j'avais réellement envie de faire et de ne pas m'embarrasser de à qui j'ai envie de ressembler, ce que j'aimerais qu'on dise de moi. Aujourd'hui, je pense qu'avec la plus grande honnêteté, je peux dire que ça me ressemble parce que je suis seule et que j'ai enfin aussi un âge où je peux ne pas revenir en arrière. J'assume complètement ce qui se passe. Quand même. Oui, François Forestier. Je trouve que les arrangements et l'orchestration sont formidables. Merci. Il y a une qualité de son. Elle a des super critiques pour cet album. C'est vraiment formidable. Nolo ? C'est-à-dire que moi, je n'avais pas remarqué qu'il y avait d'autres filles, d'autres filles que vous dans le groupe. Je suis très étonné. Oh là 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 là. Je suis un peu étonné par les photos. On sent le gars qui pose une option. Hein, non, moi je joue collectif. Je voudrais vous dire qu'on a 5 enfants à nous deux avec Zemmour, qu'on est super responsables. Simplement, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux que les L5 là. Donc, les... Kennedy à côté de vous, c'était rien. Il y a peut-être un bouquin écrit. Par vous, j'espère. Ouais. Les phrases. Que... Non, c'est très très bien. C'est vous êtes célibataire, libre. Vous voyez, Sophie Moudico, ça vous sauriez pas faire. Super responsable, savoir faire les pâtes. Ah, les pâtes, ça, par contre, ça, c'est l'Italien se réveille. Merci, mec. C'est donc de là, les pâtes de non, allez, un dernier mot. Très bien, oui. Très bien. C'est vraiment bien. Mais une sorte de concentrer toutes les musiques noires, plutôt le reggae, la soul, plutôt bien traitées. Les pâtes. Oui. Il les mange, en tout cas. Premier album de Louisy Joseph, La saison des amours. Elle est en tournée en première partie de Christophe Maé. Vous l'avez déjà fait ou pas cette... Alors ça a déjà commencé, effectivement. Comment ça se passe avec son public de Christophe Maé? Eh ben, j'avais très peur. On s'attache ou pas? Mais complètement. Louisy Joseph, La saison des amours, c'est le titre de l'album. Et elle sera en co-billing à l'Élysée Montmartre avec William Baldé le 23 juin prochain. Merci Louisy Joseph. Reprendre votre place.